alors que nous allons bientôt passer à la parole de Dieu. C'est alors que nous allons bientôt manger Christ, manger sa parole, boire à sa source. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu puisses laisser ton cœur retentir encore. Alléluia. J'aimerais que tu puisses laisser ton cœur retentir. Tu vas oublier la personne qui est à tes côtés. Tu vas oublier le vide qui est à tes côtés. Et tu vas te centrer sur toi. Tu vas te centrer sur toi. Tu vas laisser à côté tes émotions. Tu vas laisser à côté ton humanité. Tu vas laisser à côté tes charges, tes fardeaux. Tu vas laisser à côté ta personnalité. Et tu vas te déverser. J'entends un cœur qui dit, Seigneur, je plonge maintenant. J'entends un cœur qui dit, Seigneur, je veux creuser davantage. J'entends un cœur qui dit, Seigneur, je puise encore. Alors laisse qu'une voix ce matin puisse s'élever pour retentir, pour crier encore plus fort, pour crier encore plus fort, au-delà de la foule, au-delà de la foule, au-delà du Jourdain, au-delà des montagnes, au-delà des rivières, au-delà des océans, les voix puissent crier encore ce matin. Jésus, 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 je suis touché. C'est pourquoi, Seigneur, nous déclarons le confessant je suis touché. Alléluia. J'aimerais poser une question à l'Assemblée de Dieu. Et l'Assemblée, c'est toute catégorie compris, confondue. Y a-t-il des adorateurs en ces lieux? Y a-t-il des adorateurs de Christ en ces lieux? Un adorateur, c'est celui-là qui vient chercher Christ. Un adorateur, celui-là qui vient se donner à Christ, qui vient lui donner tout ce qu'il a. Y a-t-il des puiseurs en ces lieux? Un puiseur, c'est celui-là qui est assoiffé. C'est une âme assoiffée de la présence de Dieu. Un puiseur, c'est une âme qui a tellement soif. C'est une âme qui quitte la terre et qui rentre dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs de la parole de Dieu. C'est un assoiffé, un puiseur. Y a-t-il des creuseurs ce matin? Un creuseur, c'est celui-là qui est insatisfait. Celui-là qui dit, j'ai la connaissance, mais cela ne me suffit pas. Je veux plus, je veux plus. Je veux la révélation de la parole de Dieu. Un creuseur, c'est celui-là qui fracasse les pieds. Un creuseur, c'est celui-là qui change, qui sort de sa zone de confort. Qui dit, je ne veux plus prier comme avant, je ne veux plus adorer comme avant, je ne veux plus louer, célébrer comme d'habitude, mais je veux changer, je veux fracasser les pierres qui sont autour de moi et changer de zone de confort, changer de dimension, car je suis un creuseur. Mon Dieu, dans la présence de Dieu, il y a tellement de dimensions. Nous parlons des profondeurs, nous parlons des hauteurs, nous parlons des longueurs et des largeurs dans la présence de Dieu. Des assoiffés. Lorsqu'il y a la soif, on boit avec allégresse. Lorsqu'on a soif, on boit avec reconnaissance, avec désir et plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a la soif. Lorsqu'il n'y a pas la soif, les choses demeurent pareilles. Lorsqu'il n'y a pas la faim de Dieu, il a dit mon corps est une nourriture. Lorsqu'il n'y a pas la faim de Dieu dans une assemblée, mon Dieu,
Oh bien-aimé, notre Dieu fait comme il veut. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler? Laissons nos cœurs parler. Pas notre conscience, pas notre raisonnement, mais laissons notre cœur parler. Parce qu'un assoiffé est un éternel insatisfait. Es-tu satisfait de ta condition actuelle? Sommes-nous satisfaits de notre condition actuelle? De notre dimension actuelle? De nos habitudes actuelles? De nos réalités actuelles? De notre atmosphère actuelle? Mes genoux fassent contre terre, je ne peux confesser un autre nom, car tu as conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureuse d'un autre nom. Si le monde tombe amoureux, nous nous devenons amoureux. Nous nous devenons amoureux. Parce que celui qui tombe, il tombe et se relève. Mais nous ne voulons pas tomber, nous voulons demeurer. Nous ne voulons pas tomber, nous voulons nous prosterner. Nous ne voulons pas tomber, nous voulons nous étaler. Nous ne voulons pas tomber, mais nous voulons fléchir avec notre propre volonté. Parce que nous le voulons, parce que nous le désirons. Mes genoux face contre terre, je ne peux témoigner en autre nom. Il l'a adoré, il a conquis tout mon cœur. Je ne peux devenir amoureux d'un autre nom. On devient amoureux. L'église devient amoureuse. Le monde tombe amoureux, mais nous, l'église, nous devenons amoureuses. Le Seigneur active et réactive son amour en nous. Des paroles que nous libérons qui sont tellement erronées. Alléluia, je peux tomber amoureuse de toi, non. Jésus. Lorsque tu touches mon cœur, nous devenons des amoureux. Lorsque tu touches réellement mon cœur, nous devenons des amoureux. Lorsque tu percutes réellement un cœur, ce cœur devient épris, devient éprise. Lorsque tu percutes réellement une vie, cette vie se transforme et elle devient assoiffée, elle devient passionnée, elle devient embrasée, elle devient consacrée parce qu'elle est amoureuse. Alors y a-t-il des amoureux de Christ ce matin, Seigneur? Est-ce que nous pouvons le manifester par nos acclamations, s'il vous plaît? Non, je m'entends bien. Il y a tellement d'hésitations. Il y a tellement de courants d'air. Alléluia. Y a-t-il des amoureux de Christ en Seigneur? Je vous prie, Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, que je sors de ces lieux avec quelque chose, que je sors de ces lieux avec le retrait, l'abandon de quelque chose, avec un dépouillement, avec un brisement, avec une transformation, mais aussi avec une restauration. Est-ce que les voix peuvent s'élever et prier ainsi?